Salut à tous, c'est Nem et on est reparti pour une nouvelle vidéo. Bienvenue sur l'épisode 4 de Dragon Egg. Et si on allait se faire le Nether, moi je dis c'est une bonne idée. Risqué, mais quitte à faire, bah, on y va. Hein. donc pour se faire le Nether, ça va pas être très complexe. Hein. On va faire. On va mouler le portail parce que j'ai pas assez de diamants pour faire une pioche, donc on va le. Donc on va utiliser une technique pour le faire. Voilà, parce que j'ai enfin pas assez de diamants, j'en ai même pas du tout d'ailleurs. Voilà, tac. Tac, 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 tac. Voilà, on a de la cobble. Ok, et donc, voilà, on va faire ça comme ça. 3 de blé. Attendez, il y a un problème. Je cherche du fer. Ah voilà, ok. Putain, je suis vraiment... Ok, donc le fer, c'est qu'il me fallait mes jambières. Voilà. Et on va prendre du bois. Pourquoi pas, à la limite, aller en couper un peu. Après, j'ai... Voilà, bon, il y a du boulot là-bas. On est très bien. Hop, non, c'est très joli dans ce coin-là. Hop. Alors. Ouais. Ok. J'avais pas généré cette, la map ici, je crois. Bref, nous, ce qui nous intéresse, c'est le boulot. Hop. Voilà, tac, on va se prendre. On va essayer de se prendre un petit stack. Et puis on... De toute façon, c'est très rapide avec la hache, donc. Voilà. On a fait un sixième du travail. Waouh. Ok. Donc voilà, et dès qu'on a assez de bois pour faire face au Nether, ouais, je prends du bois juste pour si on a besoin, ça fait beaucoup de blocs d'un coup, donc c'est cool. Tac. En vrai on va pas avoir besoin d'un stack, hein. J'en prends qu'un demi-stack et ce sera très bien. Je finis cet arbre et voilà, ok. Allez, on retourne à la maison et on va descendre mouler le portail, voilà. Je sais pas. Bon, je vais en profiter du coup pour vous apprendre comment on fait. Il n'y a rien de dur, hein, vraiment. C'est juste un peu technique, on va dire. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. 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 Ouh là là. Ok, tout va bien. on est bon. On va se faire du pain. Voilà. Et la rotten flèche, je vais la prendre en cas de besoin extrême. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais, hein, clairement. Et y a-t-il des sticks? Oui. Okay. Voilà. L'eau va pas trop nous servir. Hop. On est bon. Le fer, voilà, quitte à fait. Hop. Et on peut y aller. Voilà. Donc vu qu'on va mouler le portail, il faut de l'eau. Je sais pas si vous connaissez la technique, mais du coup, au lieu de miner de l'obsidienne, on va simplement la créer, entre guillemets. Donc voilà. Grâce à la lave en bas, ça va pas être très compliqué. Hop. Enfin après, ça, c'est vraiment une technique que je fais très rarement, mais on n'a pas de... On n'a pas de diamant, donc on n'a pas le choix. Hop. Voilà. Je vais me mettre dans un endroit assez sympa. On va pas se mettre juste à côté de la faille. On va creuser un peu. Voilà. Juste histoire d'avoir un peu de place. Voilà. Hop. Un portail, c'est... Ce sera ces emplacements-là. Et ouais, c'est 3 de haut, donc
Ce serait comme ça. Ok. Tac tac, déjà. On va faire. On va prendre de la lave. Hop, et on la pose. Et vous voyez, hop, je la transforme en obsidienne. Voilà, c'est tout. Donc, on va faire ça pour bah, tout le contour. Voilà, ici. Et j'ai oublié le flint and steel, hein, évidemment. Parce que oublier quelque chose, c'est toujours ce qu'il faut faire. Donc. Voilà. C'est dangereux, mais bon. Ok. Faut juste être assez rapide. Voilà. Tac. Je vais casser ça ici. Pour poser l'eau. Pourquoi j'ai pas. Ok, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Quoi? Je peux pas la mettre là? C'est quoi le problème? Je vais mettre. Oh, je vais réinitialiser le bloc. Je sais pas ce qui se passe, hein, vraiment. Et des fois, on se pose la question. Hein. Yes. Hop. Enfin, voilà, je pense bien. Je pense qu'on est sur la bonne dimension. Mais il me faut. Ah ouais, on va pouvoir. On va le trouver. On va se le faire ce flint, si vous inquiétez pas. Il va falloir juste un peu de courage. Allez, s'il te plaît, donne-moi un flint. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que. En cassant du gravier, il y a une chance, voilà, hop, d'avoir du flint comme ça. Et avec du fer, ça nous donne un briquet. Voilà, hop. Et paf, on est prêt. Voilà. Tac. Alors j'organise un peu ça. Ça, on s'en fout. Hop, voilà. Je posais juste les choses essentielles. On est bon. Et ben voilà, on est paré. Donc il peut se passer n'importe quoi. On va voir ça. Et c'est parti. Allez, un peu de chance s'il vous plaît. Et là il y a. Non. Allez, s'il te plaît. Sois gentil. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ici, alors, on va laisser le nether se générer. Dans le nether, ce qu'on va chercher, c'est pas très dur. Nous, c'est juste. On va juste vouloir trouver des blaze rods. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc, pour ça. Hop. Ça, ce sera pour la déco. Je vais augmenter du coup ma vidéo settings. Voilà, parce qu'ici, on va en avoir besoin. On va charger le petit Nether. Pendant qu'il charge. Hop là. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est beau, n'empêche. Moi, je trouve que le Nether, il est vraiment beau. Hop. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, regardez ce qu'il y a là. On a la forteresse, voilà. Donc c'est trop bien. Alors, est-ce qu'il va avoir un spawner à blaze dedans? Franchement, j'espère. J'en profite pour prendre un peu de quartz parce que vraiment le quartz c'est trop beau. Voilà. Bon, et ben voilà. Pour information, c'est ce qu'on appelle du coup des pigmen et faut faire. Ouh là là. Où es-tu? Ça c'est ce qu'on appelle un guest. Un guest? Ouais, un guest. Et il vous envoie une boule et faut faire. Regardez, hop, on fait clic droit. Et ça va lui renvoyer dessus. Enfin, ça faut être bon. On va y arriver. Non, tu veux pas? Super. Hop. Bon, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la forteresse. Hop. Voilà. Voyez, ça la renvoie.
J'aimerais bien le tuer. Mais bon, tant pis. On va les ignorer. Voilà. Nous, ce qu'on cherche, du coup, c'est un spawner à blaze. Donc, voilà. On va voir. Tac. Hop. On se demande ce que fait des saplings ici. Tac. Allez, un peu de chance, s'il vous plaît. Et ben voilà. C'est exactement ce qu'il nous fallait. En plus, il est. Oh là là, qu'est-ce qu'on a de la chance. Hop, voilà. Donc là, je vais. Hop. Je vais du coup fermer le spawner en fait. Ça nous permettra de pouvoir faire face à un nombre de spawners, enfin de blaze important. Parce qu'en fait, il spawn vraiment très aléatoirement. Hop, voilà. Où est-il, l'autre blaze? Dangereux dans le Nether, c'est le feu, à la limite c'est cohérent. Mais du coup vous voyez, il va avoir pas mal de blaze qui vont spawner. Voilà, typiquement. Et donc le fait de les enfermer, ça devient oula, bon, on peut se battre du coup avec eux. Bref, ils sont pas très gentils hein. On va attendre de se régénérer un peu. Et après je vais rentrer dedans pour récupérer les blazes d'Emerald. Parce que le problème c'est que. Ouais. Ah. En fait les blaze rods, du coup, je sais pas si je l'ai expliqué, mais les blaze rods en fait elles vont nous servir. Ouais, j'en ai plus besoin de ça. En fait, elles vont nous servir à créer des perles de l'End. Oh non. Oh non, sort de là. Ah, attendez. En fait, eux, si on les tape, en fait, c'est beaucoup de problèmes qui arrivent parce que tous ses amis ils vont venir à sa rescousse, à son aide en fait, et. Ce qu'on veut, c'est d'être tranquille contre les bêtes. Hop, alors. Hop, je baisse un peu le son parce que. Ah, c'est pas possible. J'ai que une blaze rod, quoi, c'est très peu. Là j'en ai 7, on va essayer de s'en prendre pas mal quand même. Parce que là je sais plus combien ça nous fait. Oui, ça nous fait 2 poudres de blaze, donc c'est cool. Ce qui est bien c'est qu'on est en 1.7.10 donc on peut se battre. À lui. Hop.
Allez. Faut s'éloigner un peu toujours pour que ça spawn. Tu peux le faire. Ok. Allez, s'il te plaît. Alors, je vais le cacher et je vais aller me battre contre ces deux-là. Alors, il y en a 10. Oula, il y en a beaucoup là qui viennent d'apparaître. Oh mon dieu. Oh là là. Mais c'est pas possible. Soit il y en a pas, soit il y en a trop. C'est ouf. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça me fait plein de niveaux. Ah. Alors laissez-moi juste vérifier quelque chose. Ouais, ok, ça fait 17 minutes qu'on joue. Vas-y, je me casse. Hop, sinon je me rends là. Ok, bon, j'en ai 11 déjà, franchement c'est bien. Hein. On va essayer de voir s'il n'y a pas un coffre. Bien sûr, j'ai fait la pire des erreurs, vous savez c'est quoi? C'est dans le nether de ne pas noter les coordonnées. Alors, je vais mettre juste des torches. Ouais, hop, tac. Moi je sais, je viens de là quoi. Hop. Je voulais en profiter pour voir s'il n'y avait pas des coffres. C'est sympa. Ouh là là. Ok. Donc il y a d'autres mobs. Tac. Voilà. Ah voilà, la Nether Wart. Enfin, je sais pas si je vais en avoir, mais logiquement, c'est en bas des escaliers qu'il y en a. Oh non, il n'y en a pas. Si, s'il te plaît, allez. Sois gentil. Oui, je suis content. Ok, tac, on va pouvoir en faire pousser à la maison. Hop. Hop. Voilà. Tac. Du coup, la Netherwart qui sert à faire des potions, hein, si je me trompe pas. Je sais plus du tout. Hein. Je crois que c'est ça. Hop. Voilà. Moi et ma connaissance du jeu. Voilà. Un petit coffre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Il n'y a rien. Bon. Une selle en diamant, ça c'est cool. Ok. Voilà. Il y en a encore. Bon bah tu te fermes, ça nous tue pas, hein, on les prend, hein, pas de soucis. Hein. Hop. Voilà. Tac. À la limite, j'en laisse une. Hop, ouais, je vais les prendre. J'en laisse une pour s'il y a besoin. Imaginons là je me fais tuer et au moins j'ai pas à refaire tout quoi. Hop. Enfin à retrouver une faille, c'est ce que je voulais dire. Hop, voilà. Ici aussi on peut pas. Hop, la musique elle va se calmer. S'il te plaît.
Là, il n'y a rien. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? J'espère. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. On est bon. Bah, je pense qu'on va pouvoir rentrer à la base, hein. Voilà. Hop. Tac, tac. Ici. Attendez. Non, moi, j'ai pas vu ça. Bon, voilà, elle est quand même assez grande hein, comme forteresse. Ça, c'est super. Hein. Voilà. Ah, il y a un wither squelette. Typiquement, je pense que je vais pouvoir le battre, mais je suis pas sûr de moi. Ouh là là. On se calme. Salut. C'est quoi la probabilité pour que la pre pour le pre pour que le premier Wither Skeleton me donne une tête du Wither? Je crois que la probabilité est très très faible. Alors, vu que je me suis perdu, franchement, je sais pas du tout d'où je viens. Bonjour. Ouais. On va repasser par là. Hein. Je suis perdu. Je me perds tout le temps, hein. Ça c'est sûr. Je passe mon temps à me perdre. Ouais, bah ok. C'est pas possible. Où est le portail, s'il vous plaît? J'aurais dû noter les coordonnées. On va suivre ces torches-là. Hop. Ouais, ok. Ça va, on est dans la bonne direction. Mais attendez, il y a quoi là-bas? Bon, c'est pareil, c'est le deuxième pont. Il y avait deux ponts identiques. J'en profite pour récolter des cubes. C'est toujours pratique. Je te déteste, je te déteste, je te déteste. J'y crois pas, mais deux fois d'affilée, ça m'aurait étonné. Ok, je me casse. J'ai pas le courage pour. Hop, voilà. Allez, une magma cube, s'il vous plaît. Hop. Ah, il y en a trop. Et ils m'en ont pas donné. C'est faux ça. Bon. On va rentrer au portail. Je crois que le portail il était par là-bas. Hein. Ah voilà, ok, par là. Super. Bon, bah, ça c'est super parce que vraiment, moi et mon sens de l'orientation, vraiment. Le Nether c'est le pire pour moi, vraiment. Hop. Donc, on est bon. Ça c'est cool là. Ok, ok. Donc c'est super. En vrai, je suis content, on a bien avancé là. Hop. Donc là, j'ai tourné aussi l'épisode 3. Donc je tourne l'épisode 3 et 4 d'affilée. Je sais pas si je vais aussi tourner l'épisode 5. Je crois pas, parce que bah, il va falloir quand même que je les monte et que je les upload. Donc bon. Mais voilà. Bon après le cloud maintenant c'est plus comme avant. Hein. Avant j'étais donc j'étais à la montagne parce que bah, j'étais pas en études. Voilà. Maintenant je suis dans une grande ville. Mais du coup avant vraiment pour upload une vidéo YouTube ça me prenait une nuit quoi. Et vraiment quoi c'était cool. Donc voilà.
à une vidéo de une demi-heure, moi ça me prenait 6 heures la nuit pour le cloud, hein, à peu près. Voilà. Hop. Je prends beaucoup de quartz parce que vraiment le quartz c'est vraiment ce que je préfère. Alors on fait attention. Enfin, je préfère au niveau déco en fait. Hop. Eh ben c'est très bien. On reviendra s'il y a besoin de glowstone, hein, mais là, un peu la flemme. Hein. Ok. Eh ben c'est très bien. La glowstone, c'est ça, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est. La... Enfin, glowstone, quoi, pierre lumineuse. Donc, voilà. C'est la pierre lumineuse, logique. Hop, alors. Tac. Et voilà. On rentre avec une Wither squelette. N'empêche, c'est fou, hein. Et voilà. Et le fait d'avoir mis tout à l'heure, donc, enfin, dans l'épisode précédent, pardon, les escaliers, ça fait qu'on monte beaucoup plus vite. Clairement, il n'y a pas photo, regardez. Voyez. Hop. Voilà. Bon, ça tremble un peu. Mais ça va. Dans les faits, c'est ok. Alors, je vais mettre la tête de Wither quand même en signe de trophée. Parce que franchement, c'est un trophée. Hop, on a de l'or. Hop. On va se faire un deuxième coffre. Je voulais pas en fait, je voulais pas en faire un juste pour faire un coffre. Donc, parce que vous savez, après, on se fait une grosse salle des coffres et tout. Mais ça sert à rien tant qu'on a rien pour ranger les choses. Ça sert pas. Hein. Hop, voilà, tac tac tac. Ça, on va aller. On va aller planter ça. Je sais pas où est-ce que je pourrais planter. À la limite, on va faire ça comme ça. Hop, je vais regarder combien de temps il nous reste. Et il nous reste plus grand chose, hein. Plus grand. Voilà, j'en perds mes mots. Bref, il reste plus beaucoup de temps. On va par contre. Hop. J'arrive plus à réfléchir, oui, voilà. Hop, on va prendre. Il me fallait une pelle en fait, c'est tout. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Et donc, voilà, je me suis dit que en bas de la montagne, ça aurait pu être bien. Ou alors. Ah. Pourquoi pas faire ça comme ça, oui. Hop. Hop, faire une sorte de chemin dans la montagne. Du coup, qui fait en même temps plantation en fait. Je trouve que ça ferait très joli. Et ensuite, on fera sûrement un portail en haut. Si ça, ça peut être. Enfin, je trouve que ça fait vraiment beau. Donc, on va voir. Hop. Ouh là là, qui c'est qui a des problèmes quoi? Ouh là là. Ouh là là. J'ai pas grand-chose. Contre toi. Ok. Allez, on va se battre. Tu veux qu'on se batte? Y'a pas de soucis, gros. Je vais te défoncer. T'es mort. Si t'as pas remarqué. Je t'ai tué. Voilà. Hop. Mais putain! Mais gros. Voilà. Merci de spam click de la 1.7.10. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Et pourquoi pas ici il en reste trois. Et ici, je sais pas. Hop. Voilà. Tac, ça nous fait une petite traînée. Et du coup, bien sûr, hein, j'ai confondu le sable des âmes et la nether. Mais c'est pas grave. On va aller. Regardez, je sais faire ça. Voilà. Parce que je ne l'ai pas récupéré. Ok. Je vais récupérer du coup. Hop. On va récupérer comment ça s'appelle?
Voilà, le sable des âmes, Soul Sun. Et. Tac. Et voilà, et après on pourra terminer l'épisode là-dessus. Tac, on fera un plus beau truc. Mais je trouve déjà ça donne un petit charme. Hop, voilà. Je suppose que le chemin va venir vers là. Et ici, on va se faire un beau portail, je pense. Voilà. Allez, je vais mettre le champ ici. Hop. Tac. J'aime trop les musiques de Minecraft, hein, clairement. Hop. Bon, comptez pas sur moi pour faire le reste à la main. On va utiliser la table de craft. On va se faire une pioche. En cobble, voilà, c'est très bien. Hop. De toute façon, c'est que de la pierre, donc ça va aller. Tac. Voilà, et dès qu'on aura terminé ce champ, on va pouvoir conclure l'épisode. Tac. On est bon. Voilà, plus que 9, donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et voilà, bon, 4. 3. Et 4. Ok, voilà. On plante, et ce sera bien. Et je crois qu'il n'y a pas besoin de lumière pour ça. Pour un champ de Netherwart. Je suis pas sûr du tout, hein, par contre. Hop, tac tac tac. On est bon. Ok, je vais mettre juste un peu de lumière. Je suis vraiment pas sûr, hein, mais bon. Ça nous tue pas de le faire. Voilà. Tac. Hop. Bon, du coup, ici, on se fera un beau portail, je pense. On fera un peu de construction. Ok. Pardon, mais je suis juste étonné de ce. Ok. Moi, je propose ici, on dirait que c'est notre jacuzzi. Allez. Ouais, c'est décidé, c'est notre jacuzzi. Je fais pas des sources d'eau infinies, c'est volontaire. Normalement, ça en fera pas. Voilà. L'idée, c'est que ça reste un peu avec du courant. Voilà. Ok, on a un jacuzzi. Ok, et eh ben c'est cool. On va pouvoir terminer cet épisode là-dessus. Voilà, on a terminé, on a fait pas mal de choses hein, sur cet épisode. On est allé dans le Nether. Maintenant, on va falloir qu'on trouve des Endermen. Donc, il va falloir qu'on se batte la nuit contre beaucoup de mobs. Donc, bon. Ça, à la rigueur, je pense qu'on va bien rigoler, tout simplement. Hop, voilà. Pauvre mouton. Bref, voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Nem, et puis, bah, voilà. Au plaisir, hein, n'oubliez pas de laisser un petit like, voilà, pour le travail que je fais. Et puis, voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis, voilà. À la prochaine. C'était Nem. Ciao, ciao!